Bonjour, je suis Madame Houyem Ben Moussa, professeure principale émérite au lycée Tahsin Green. Dans une première séance, on a vu ensemble les dérivés des acides carboxyliques. En particulier, on a découvert un nouveau dérivé qui était l'amide. Pour cette séance, on va essayer de voir comment passer d'un dérivé carboxylique à un autre. Et à la fin de la séance, on verra quelle est l'importance industrielle de ces dérivés d'acides carboxyliques. Décrire un mode de synthèse d'un ester, d'un anhydride d'acide et d'un amide à partir d'un dérivé d'acide carboxylique. On va suivre le plan suivant. Démarrer par une carte conceptuelle très importante et très utile dans le but de voir les différents passages. Ester, chlorure d'acyle, anhydride d'acide, chlorure d'acyle, ester, anhydride d'acide, amide, chlorure d'acyle. Et enfin, amide à partir donc d'anhydride d'acide. Ces cinq passages, ce sont des passages très importants et qui résument tout le cours. Vous essayez de bien prendre cette carte et suivre le déroulement de cette séance à travers cette carte. Merci. Alors, la deuxième partie de notre séance concerne une évaluation. Et puis, on terminera par voir l'importance industrielle des dérivés des acides carboxyliques. Alors, voilà la carte dont je parle. Elle est donc très lisible. On a quatre rectangles qui présentent les quatre dérivés d'acides carboxyliques. Je cite le chlorure d'acyle, l'ester, là, les anhydrides d'acide, l'amide. D'accord? Dans les trois autres cadres, ce sont les réactifs dont on a besoin pour réaliser la synthèse de l'un ou l'autre des dérivés des acides carboxyliques. Alors, je vais insister sur cette carte parce que c'est notre élément très important dans ce cours. Alors, vous voyez cinq chiffres. Alors, le numéro 1 montre un passage qui permet de synthétiser l'ester à partir du chlorure d'acyle. Alors ça, c'est le passage numéro 1. Alors, je vais prendre les passages un à un pour les voir de plus près. Donc, j'entame ce premier passage. Synthèse des esters à partir des chlorures d'acyle. Alors, le premier passage, le chlorure d'acyle réagit sur un alcool pour donner une réaction, donc, pour donner un ester selon une réaction rapide, totale et exothermique des quotients chlorure d'acyle qui va participer par son chlore, l'alcool qui va participer par son hydrogène pour former l'acide chlorhydrique ou bien le chlorure d'hydrogène, ce qui reste du chlorure d'acyle, ce carbone, donc, va s'associer à cet oxygène qui a perdu son hydrogène pour former l'ester. D'accord? En ce qui concerne les radicaux qui sont là, R et R1, pour le R, il n'y a pas de problème, ça peut être un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle. Pour R1, ça ne peut être qu'un radical alkyle, donc un groupement alkyle, pour ne pas avoir une molécule d'eau ici. Hein? L'eau ne réagit pas avec le chlorure d'acyle, il me faut un alcool. D'accord? On va essayer de voir un exemple. J'ai pris comme exemple le chlorure d'éthanoïl.
l'éthanol pour former l'éthanoate d'éthyle et l'acide chlorhydrique. D'accord? Donc, l'ester contient deux carbones de ce côté, deux carbones de l'autre. Donc, comme on a vu dans la première séance, la nomenclature des esters, c'est l'éthanoate d'éthyle. Alors, pour le chlorure d'acyle, deux carbones, donc c'est le chlorure d'éthanoïle. Alors, vous voyez, je reviens à chaque fois à cette carte conceptuelle qui facilite énormément le travail. Alors, on a vu le passage numéro 1. On va essayer de passer par le passage numéro 2. Donc, on va partir du chlorure d'acyle qui va réagir avec l'ion carboxylate et donner l'anhydride d'acide. D'accord? On essaie de voir ça de plus près. Deuxième passage, synthèse des anhydrides, donc d'acide à partir des chlorures d'acide. Alors, la synthèse des anhydrides d'acide se fait usuellement par la réaction de chlorure d'acide avec un carboxylate de sodium ou un acide carboxylique. Tous les deux contiennent l'ion carboxylate. Donc, je peux avoir soit l'un, soit l'autre. C'est une réaction totale et rapide. Donc, voilà l'équation. Alors, chlorure d'acide. Ça, c'est l'ion carboxylate, donc RCO au moins, Na+, normalement. D'accord? Le sodium va réagir avec ce chlore. Le reste vont s'associer ensemble pour former notre anhydride d'acide. Alors ça, si on utilise donc le carboxylate de sodium. On peut aussi utiliser donc l'acide carboxylique dans comme dans cette deuxième réaction. Alors, l'acide participe par son hydrogène, le chlorure d'acyle participe par son chlore, l'ensemble donne l'acide chlorhydrique ou bien le chlorure d'hydrogène. Le reste des deux molécules vont s'associer ensemble pour donner la même chose que dans le premier cas, c'est l'anhydride d'acide. D'accord? On essaie de voir un exemple. Premier exemple avec l'éthanoate de sodium, le chlorure d'éthanoïle, le chlore, le sodium forment ensemble le sel chlorure de sodium. Les deux parties qui restent me donnent l'anhydride éthanoïque. D'accord? Un autre exemple. On va remplacer donc ce sel, donc l'éthanoate de sodium, par un acide carboxylique. Voilà. L'acide participe par son hydrogène, le chlorure d'éthanoïle par son chlore, l'ensemble forme l'acide chlorhydrique, le reste s'associe ensemble, donc cet oxygène qui lui manque une liaison, ce carbone qui lui manque une liaison vont s'associer ensemble pour donner l'anhydride éthanoïque. D'accord? On va passer au troisième passage. Le numéro 3, il est là. Donc, je vais partir de l'anhydride d'acide en le faisant réagir avec l'alcool pour former l'ester. C'est le troisième passage. Donc, synthèse des esters à partir des anhydrides d'acide. Un anhydride d'acide est un alcool et un alcool réagissent pour donner un ester selon une réaction rapide totale d'équation. Voilà l'anhydride. Voilà l'alcool. Donc, l'alcool va participer par son hydrogène. L'anhydride va donner deux parties de sa chaîne. Une partie qui comporte deux oxygènes, l'autre comporte un seul oxygène.
Alors, la partie qui comporte deux oxygènes va capter l'hydrogène et comme ça, on forme un acide carboxylique. L'autre partie qui contient un seul oxygène va capter ce qui reste de l'alcool, OR1. Et comme ça, on forme l'ester. D'accord? En ce qui concerne les groupements alkyles, même remarque qu'avant. Donc R1 ici ne peut pas être un atome d'hydrogène, sinon j'aurai une molécule d'eau. D'accord? Il faut faire attention. Pour R, de part et d'autre, c'est le même R, c'est un groupement alkyle ou bien ça peut être un atome d'hydrogène. D'accord? Remarque très importante que je vous demande de se rappeler. On a vu qu'au début de l'année et en troisième année, on pouvait produire et faire la synthèse de l'ester à partir de l'alcool et des acides carboxyliques. On a appelé cette réaction une estérification, n'est-ce pas? Alors, cette réaction, on a vu qu'elle était limitée et elle était très lente à température ambiante. D'accord? Contrairement à la réaction que je venais de présenter, on forme l'ester, mais à travers une réaction qui est rapide et qui est totale. D'accord? Donc, cette réaction, elle est plus rentable, point de vue production de l'ester, essentiellement donc, pour l'industrie. Donc, cette réaction est rapide et totale, contrairement à la réaction d'estérification des acides carboxyliques par les alcools qui est lente et limitée. C'est pourquoi ce type de réaction est exploité dans l'industrie pour la préparation des esters. D'accord? Exemple. On va prendre donc l'anhydride éthanoïque. Alors, regardez bien les couleurs, ça facilite donc la recherche des produits formés. Donc, si je coupe la molécule à ce niveau, cette partie contient deux oxygènes, donc c'est elle qui va prendre l'hydrogène. Et comme ça, je forme donc l'acide éthanoïque. L'autre partie va prendre cette partie de l'alcool, l'oxygène CH2, CH3, et comme ça, je forme donc l'ester éthanoate d'éthyle. Alors, je forme l'éthanoate d'éthyle. Je reviens à la carte et je passe au quatrième passage. D'accord? Alors, le quatrième passage, on part du chlorure d'acyle, notre dérivé d'acide carboxylique, pour former l'amide, qui est un autre dérivé d'acide carboxylique. Pour cela, il faut faire réagir notre chlorure d'acyle, soit avec une amine primaire, soit avec une amine secondaire, soit avec l'ammoniac. Donc, un composé de formule R2NH3 avec R2 et R3 peuvent être des atomes d'hydrogène. C'est pourquoi j'ai évoqué donc l'ammoniac. Alors, on passe au quatrième passage. Donc, on va faire la synthèse des amides à partir des chlorures d'acyle. Un chlorure d'acyle réagit sur l'ammoniac sur une amine primaire ou une amine secondaire pour donner un amide non substitué, un amide N-monosubstitué ou un amide NN dit substitué, selon une réaction rapide, totale et exothermique d'équation. Alors, chlorure d'acyle.
Notre réactif, qui peut être une amine primaire, secondaire ou ammoniaque, pour former donc l'amide et un sel. D'accord? Sauf que, faut faire attention, pour le quatrième et le cinquième passage, il nous faut un réactif placé en excès. Ça, c'est très important et vous devez faire attention donc à ce point-là. Donc, j'ai placé deux molécules de ce réactif. Une molécule va perdre son hydrogène. L'ammoniac présente un hydrogène mobile qu'il va perdre. L'autre molécule va le capter. Donc N, R2, R3, H, et qui capte un H+, ça va donner cet ion-là. D'accord? L'autre molécule qui a perdu son hydrogène va se fixer sur le carbone fonctionnel du chlorure d'acyle ayant perdu son chlore, son atome de chlore. Donc là, je forme le sel formé par R2, R3, NH2 plus Cl- et notre amide. Alors vous voyez, la classe de l'amide formé dépend de la nature des radicaux R2 et R3, ces groupements alkyles R2 et R3. Si ce sont deux hydrogènes, il n'est pas, N n'est pas substitué, donc c'est un amide qui appartient à la classe aux amides N non substitués. Si l'un des radicaux est un groupement alkyle, l'azote sera monosubstitué. Et si les deux radicaux sont des groupements alkyles, donc j'aurai un amide qui appartient à la classe des NN disubstitués. Alors, deux hydrogènes, ça sera l'ammoniac. Un radical et un hydrogène, ça sera une amine primaire. Deux radicaux, donc ça sera une amine secondaire. Alors, ce que je venais d'expliquer va être répété tout le long du quatrième et du cinquième passage. Avant l'exemple, la remarque très importante, on venait de voir que notre réactif doit présenter un hydrogène mobile au niveau de l'azote. Alors, si cet hydrogène est un groupement alkyle, je passe à une amine tertiaire, donc elle ne peut pas réagir avec notre chlorure d'acyle. Donc les amines tertiaires ne réagissent pas avec les chlorures d'acyle. Les exemples, je vais prendre trois exemples, un avec l'ammoniac, un avec une amine primaire et un avec une amine secondaire. Alors, voilà l'ammoniac. La molécule d'ammoniac qui perd son H+, donc, va devenir NH2 et il nous manque une liaison au niveau de l'azote qui sera réalisée avec le carbone fonctionnel et comme ça, je forme l'éthanamide. La molécule qui a capté l'ion H+, ce sera NH4+. Le Cl- éventuellement provient du chlorure d'éthanoïle, donc je forme le sel chlorure d'ammonium. Le chlorure d'ammonium. Deuxième exemple, je prends une amine primaire telle que le méthanamine. Une molécule parmi les deux perd son hydrogène. L'autre va le capter en formant CH3, NH3+, et le chlore provenant du chlorure d'éthanoïle. Donc, je forme le chlorure de méthylammonium. La molécule qui a perdu son hydrogène va se fixer sur, au niveau donc, du carbone fonctionnel et je forme le N-méthylammonium. Éthanamide. Vous voyez, donc je change de classe.
troisième, j'utilise une amine secondaire. Heureusement que j'ai encore cet hydrogène mobile. Donc, une molécule va perdre H+, l'autre va la capter pour former cet ion. Et par la suite, se scelle le chlorure de diméthylammonium. D'accord? La molécule qui a perdu l'atome d'hydrogène se fixe au niveau du carbone fonctionnel pour former cet amide-là, le N,N-diméthyléthanamide. Donc, le principe est le même. Il suffit de l'appliquer à chaque situation. D'accord? On passe au dernier passage. C'est le passage numéro 5. Regardez bien, je vais former l'amide en faisant une réaction avec soit une amine primaire, secondaire ou de l'ammoniac. Donc, le principe reste le même. Sauf que le dérivé en question cette fois-ci n'est plus le chlorure d'acyle, mais c'est l'anhydride d'acide. C'est l'anhydride d'acide. D'accord? En fin de compte, l'amide, je peux l'obtenir selon deux chemins, le 4 et le 5. Aussi, pour l'ester, je peux l'obtenir soit selon le chemin 1 ou le chemin 3. D'accord? Donc, vous voyez l'importance de cette carte conceptuelle qui facilite énormément le travail. Donc, cinquième passage, synthèse des amides, même chose, mais à partir des anhydrides d'acide. Alors, l'anhydride d'acide réagit avec l'ammoniac, une amine primaire ou une amine secondaire pour former un amide, comme on l'a vu dans le cas donc, des chlorures d'acyle. D'accord? Selon une réaction rapide et totale d'équation, l'anhydride d'acide, le réactif, remarquez bien, il est placé donc, en excès, donc ce 2. Vous faites attention, donc j'ai deux molécules, une qui va perdre son hydrogène mobile, l'autre va le capter. Alors, la molécule qui capte le H+, d'accord? Par contre, la molécule qui a perdu cet atome d'hydrogène va se fixer au niveau du carbone de notre anhydride d'acide qui comporte uniquement un seul atome d'hydrogène. D'accord? Alors, et comme ça, je forme l'amide. D'accord? Je forme l'amide. L'autre partie en rouge que vous voyez là de l'anhydride, donc qui a perdu cette partie de la molécule, va se présenter sous forme de RCO au moins, et comme ça on forme le reste du sel. On essaye d'illustrer ça par un exemple. Alors, pas de problème pour les groupements, ils sont tous soit des groupements alkyles ou bien des atomes d'hydrogène, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Premier exemple, anhydride éthanoïque. Remarquez bien les couleurs. Donc ça, c'est la partie qui contient deux atomes d'oxygène. Ça, c'est la partie qui contient un seul atome d'oxygène. Donc, avec l'ammoniac, une molécule d'ammoniac va perdre son hydrogène pour s'accoler au niveau de ce carbone fonctionnel. L'autre molécule d'ammoniac qui a gagné le H+, elle est là. Elle a donné l'ion ammonium. D'accord? Donc, dans cette première étape, je forme l'amide, éthanamide. La partie restante de l'anhydride éthanoïque est
l'ion ammonium forme ensemble donc l'éthanoate d'ammonium. Donc là, j'ai pris l'ammoniac. Maintenant, je vais passer donc à une amine primaire, toujours utilisée en excès. Une amine primaire que voici, le méthylamine, deux molécules, j'insiste. Une molécule qui perd son hydrogène, elle va me donner cet ion. L'autre molécule qui va s'associer à la première partie de notre anhydrite, de ce côté-là, du côté où il y a un seul atome, pour former donc notre amide. Là, c'est le N-méthyl-éthanamide. D'accord? La première partie de l'anhydride nous donne donc la suite du sel, l'éthanoate de méthylammonium. Troisième exemple, donc amine secondaire placée en excès. Ah, voici. Donc une molécule qui perd cet hydrogène-là, l'hydrogène mobile. L'autre va la capter. Donc, voilà l'ion formé lorsque le diméthylamine capte l'ion H+. D'accord? L'autre molécule qui a perdu son hydrogène va s'associer à ce carbone fonctionnel. D'accord? Et je forme l'éthanoate de méthylammonium. Et comme amide, un amide, amide NN disubstitué, qui est le NN-diméthyl-éthanamide. Donc ça, ce sont les cinq passages très importants qui nous permettent de voir comment on peut produire un dérivé des acides carboxyliques à partir d'un autre produit d'acide dérivé d'acide carboxylique. Donc, sujet de bac 2016. Le sujet commence par donner quatre composés organiques A, B, C et D. On représente leur formule semi-développée que voici. La première question, préciser les fonctions chimique de chacun de ces composés et donner le nom du composé D. Allez, on essaie de faire ça ensemble. Premier composé. Alors, carbone fonctionnel, OH de ce côté, doublement lié O de ce côté. Donc, vous reconnaissez là le groupement carboxyle. Donc, il s'agit bel et bien donc de d'un acide carboxylique. D'accord? Donc, retenez bien, A est un acide carboxylique. D'accord? A est un acide carboxylique. Le B. Oxygène au milieu, de part et d'autre, deux oxygènes. C'est très visible à voir, ce n'est autre qu'un anhydride d'acide. Donc, le B est un anhydride d'acide. Le C. Ah, on reconnaît le chlore qui est là. C'est doublement lié O. Donc, c'est le chlorure d'acyl. Chlorure d'acyl. Le dernier. Ah, je reconnais l'azote. Le carbone doublement lié à l'oxygène. Donc, c'est la fonction, le groupement amide. Donc D est un amide. On veut le nom de D. Alors, j'ai l'azote. On commence toujours par voir si l'azote est substitué ou non. D'accord? Dans ce cas-là, il est substitué et il a un groupement éthyle. D'accord? Donc, on va écrire N tiré
éthyle. La chaîne carbonée, que voilà, 3 carbones, donc rappelez-vous, méthane, éthane, propane. Donc ça sera le propanamide. Alors si je résume, le nom de D est N-éthylpropanamide, un seul mot. D'accord? On essaie de voir ça. Voilà les fonctions chimiques et voilà le D. N-éthylpropanamide, rappelez-vous, c'est un seul mot, d'accord? Je récapitule, A est un acide carboxylique, B est un anhydride d'acide, C est un chlorure d'acide et D est un amide. Je vous demande de noter ces quatre composés pour pouvoir suivre la suite de l'exercice. Deuxième question, on désire préparer B. Rappelez-vous, B c'était quoi? B c'était quoi? C'était un anhydride. D'accord? Donc on veut former, on veut préparer un anhydride. Alors, à partir des deux composés parmi ceux donnés précédemment. Donc je vais prendre deux composés, les faire réagir pour former un anhydride d'acide. Je reviens vers le tableau. Alors, B est un anhydride. Je dispose d'un acide carboxylique, d'un chlorure d'acyle et d'un amide. Parmi ces trois composés, qu'est-ce que je peux utiliser pour former un anhydride? Alors, si on revient un tout petit peu aux cinq passages qu'on a vus ensemble, alors le passage qui me donne l'anhydride, c'est le passage numéro 2, rappelez-vous. Donc, à partir du chlorure d'acyle, avec un ion carboxylate, je forme l'anhydride d'acide. Donc, si je regarde mon tableau, le chlorure d'acyle, il est là, c'est le composé C. Mais l'ion carboxylate, je vais le prendre à partir de l'acide carboxylique. Donc, les deux composés dont j'ai besoin pour former le B, ce sont les composés A et C. Et pour cela, je vais suivre le passage numéro 2 qu'on venait de rencontrer au départ dans notre cours. Alors, identifier ces deux composés, ça y est, c'est le A et le C, l'équation. Donc, A, C, selon le passage 2. L'équation, alors, le composé A, il est là. Notre acide carboxylique, notre chlorure d'acyle, le chlore et l'hydrogène vont donner le HC, le chlorure d'hydrogène. Le reste s'associe ensemble, donc ce carbone va s'associer à cet oxygène. Je forme notre composé B. Vous voyez, donc, il suffit de comprendre, de suivre étape par étape. Vous allez y arriver, Inch'Allah. Troisième question, le composé D, qu'on a déjà donné la formule semi-développée, exprès que je l'ai réécrit ici, je la réécris ici, pour pouvoir répondre à la question, est obtenu par action d'un excès d'une amine RNH2. Donc il s'agit bien d'une amine primaire. D'accord? Alors, elle va réagir sur donc, le composé C. Si je regarde bien, on nous demande de préciser la formule semi-développée de cette amine. Alors, l'amine, lorsqu'on a vu la réaction, elle participe par RNH,
Donc, elle perd son hydrogène mobile. Et ce qui reste, c'est lui qui va s'associer au niveau du carbone fonctionnel de notre chlorure d'acide. D'accord? Que voici, c'est à ce niveau-là. Donc, si je regarde bien, voilà la partie qui provient de notre amine. D'accord? Alors, N, ça sera H2, R. Par conséquent, R, ce n'est autre que ce groupement éthyle. Par conséquent, je peux dire que l'amine, ce n'est autre que CH3, CH2, NH2. D'accord? Et selon le passage numéro 4, on me demande d'écrire l'équation bilan de la réaction chimique correspondante. Je vous rappelle qu'on veut former un amide à partir du composé C, donc notre chlorure d'acyle, et une amine. Ça, c'est bel et bien notre passage numéro 4. D'accord? Donc, en appliquant le passage numéro 4, je peux écrire cette équation. Le composé C, notre éthanamine, je forme l'amide. D'accord? Donc, n'oubliez pas ce 2 et que l'une des molécules va perdre le H, l'autre va le capter. D'accord? Ça, c'est le principe de ces deux passages. Troisièmement, petit c, la même amine réagit avec l'un des composés A ou B pour donner le composé D. Alors, je vous rappelle que l'amide, on peut l'obtenir soit à partir du chlorure d'acyle ou bien à partir de l'anhydride d'acide. D'accord? À partir du chlorure d'acyle ou de l'anhydride d'acide. Alors, le A, c'était notre acide carboxylique. Le B, c'était notre anhydride d'acide. Donc, c'est le composé B qu'on peut utiliser pour donner, pour former le composé D. Alors, ça, selon donc, le passage numéro 5, rappelez-vous. Hein? D'accord? Alors, c'est le composé B. Le passage numéro 5 me permet d'écrire l'équation. Donc, le composé B, l'anhydride d'acide, notre éthanamide, donc en excès, une des molécules perd l'ion H+, l'autre va le capter, et comme ça, on forme notre amide D et le sel correspondant. En ce qui concerne les dérivés des acides carboxyliques, on venait de voir comment passer de l'un à l'autre à travers des réactions chimiques, mais il est très important aussi de voir quelle est leur utilité en industrie. D'accord? Donc, on va commencer par voir leur importance dans la fabrication de parfums et de produits cosmétiques. Grâce à son odeur agréable, un ester est utilisé dans plusieurs secteurs. En parfumerie, les esters jouent un rôle important dans la chimie des parfums car ils sont des composés odorants, donc ils ont une bonne odeur. Les esters synthétiques, donc fabriqués au laboratoire, puisqu'ils sont beaucoup moins coûteux, ils sont utilisés à la place des produits naturels. C'est ça. Donc, l'industrie cherche toujours donc, les produits les moins coûteux et les plus rentables. Donc, c'est ça l'objectif, malheureusement. Le savon est fabriqué par saponification des corps gras. Or, les corps gras, ce ne sont que des polyesters.
une autre utilisation de, des dérivés des acides carboxyliques, on trouve donc l'utilisation dans l'industrie textile. Donc les esters, les chlorures d'acyle et les amides constituent la base d'une des fibres textiles synthétiques. Je cite le nylon, qui n'est autre qu'un polyamide, le tergal, le dacron, qui est un polyester, et nylon 6,6 chlorure d'acyle, et beaucoup d'autres types de fibres. Une autre utilisation des dérivés des acides carboxyliques, on trouve l'industrie pharmaceutique et son importance, bien sûr. Alors, vu que les esters et les amides sont suffisamment stables, on peut donc les utiliser comme médicaments, car leur hydrolyse dans l'organisme est spontanée et enzymatique. Ils sont utilisés comme anesthésiques locaux et éléments de base dans la préparation de l'aspirine, la paracétamol et d'autres médicaments. Enfin, on termine par l'industrie alimentaire, qui est très importante aussi. Alors, tout le monde sait que les esters sont souvent utilisés pour remplacer les saveurs naturelles, telles que le banane, le fraise, les pommes. Vous voyez ça dans les yaourts essentiellement. Alors, on les remplace par d'autres artificiels moins coûteux. Alors, à ce niveau-là, notre leçon s'achève. Je vous souhaite la réussite et surtout beaucoup de courage. Au revoir.